Pral montre exactement qui j'en ou capable vendre pépé ou bien vendre la deuxième main sur Facebook Marketplace. Si vous intéressé, restez connecté. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne là. Si c'est la première fois que vous faites connaissance, je suis Jennifer et moi vends sur eBay et Poshmark aux États-Unis. Dans la chaîne, nous parlons de business, nous parlons de conseils de business et nous faisons des vidéos de qui j'en capable d'apprendre à vendre sur eBay avec Poshmark. Si vous êtes intéressé de vendre sur Internet là, si vous êtes intéressé dans le business, faites sûr que vous abonnez ensemble avec Chanel ça pour ne pas perdre aucune notification chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Ok, so aujourd'hui, je vais parler de qui j'en ou capable de vendre ou de qui j'en capable de vendre PPS sur Facebook Marketplace. Ok, so si vous avez un bagage que vous parlez, like vous capable de gagner une chambre. Que ou pas besoin encore capable mettre sur Facebook Marketplace ou vendre li et puis moun capable venir chercher localement ba ou but I mean localement nan men ou but Facebook Marketplace c'est pas seul pour ça yo li la gagne une façon que ou capable vendre sur Facebook Marketplace côté capable ship bagay la bay moun. OK, so moun ou pas besoin faire rencontre avec moun nan ou pas moun nan pas besoin connait côté rete c'est là-bas ou ka moun ka juste acheter nan men ou. OK, so Facebook lui-même est responsable pour faire transaction hein? Et puis les moun nan paye Facebook lui-même la voye comme là-bas ou dans account PayPal ou bien sous connecté banque canet banque ensemble avec Facebook y a voyer l'argent par ou. Moi changer moi t'ai fait une vidéo de Facebook déjà te gen quelques moun qui t'a demandé qui j'en Facebook a paye. OK, so si ou habitué vendre sur eBay ou bien Poshmark lorsque créer un compte avec compagnie ça yo toujours mandé pour coller pour connecter yon toujours mandé pour connecter tant que yon account PayPal ou bien pour connecter carnet bancaire avec yo. OK, so si ou vann yon bagay depuis mon a recevoir bagay la y a voye l'argent directement sur compte PayPal ou bien sur compte carnet bancaire. OK, so c'est comme ça va toucher. Anyway, m'a essayé pour me garder si m'ka jwenn yon ti bout vidéo côté m'a ka montrer nous exactement qui j'en capable, you know, qui j'en Facebook a payé et qui j'en pour appliquer ou bien pour vendre sur Facebook. OK, so anyway, moi pour share screen moi ensemble avec nous, juste pour capable montrer nous exactement qui ça qui Facebook Marketplace ça et qui j'en capable vendre sur lui. OK? Anyway guys, pas oublier abonner, pas oublier you know, aimer vidéo ça, partager, sous joindre dans vidéo, fait ce que vous abonner. Et pas oublier aimer vidéo. OK, anyway, moi quoi montrer nos screen moi. OK, go nous sur Facebook. OK, so nous sur Facebook là ouvrir profil ou premier bagage ou après petit bouton caisse ça va peser sur lui. OK, so pendant ce temps peser sur petit bouton caisse ça ou après côté qui dit bon regardez on va la pas virer. OK, so here we go. So là cliquer sur petit bouton caisse là ou après côté li di ou après tête moun ça. OK, ou cliquer sur li là fin cliquer sur li ou après la marqué create a listing va aller là. OK, ou create a listing, so ça veut dire create a listing si c'est un bagage ou vente tankou rad bagay pied, you know, ou capable mettre en bas item si c'est un machine ou gen pour vente ou capable mettre en bas vehicles ou bien si son caille que ou t'a loué ou t'a voulu louer. OK, ou bien ou t'a voulu vendre ou capable mettre là tout but moi même m'a juste cliquer sur items. OK, so koto wè li di kon sa add photo avec vidéo, so ça veut dire ou capable ajouter photo et puis pour petite bagay là ou mettre exactement qui ça va vendre. So si ou vendre une chemise ou mettre non chemise là, so si ta coûte chemise là c'est une chemise Calvin Klein ou mettre Calvin Klein et ou mettre couleur chemise là et ou mettre size chemise là ou mettre si c'est pour fille ou bien si c'est pour garçon. OK, so là fin fait ça then ou ajouter prix là. OK, ou mettre combien prix combien quoi vous ta vle vendre li. OK, juste là juste pour me capable montrer nous c'est pas tant comme pour le vendre mais après me finir avec vidéo ça m'a retiré. So ça pour ça li c'est un lucky brand sneakers. OK, c'est un lucky brand sneakers. OK, size là c'est size 10 et une couleur c'est un couleur beige. OK, so quand y a ma valet ma mettre pour ya somme d'avoir vendre pour $35
Okay, always sa Facebook metteli di ko sa the price range for similar listings is $15 to $40. So sa ve di Facebook gitan pa ou yon recommendation konbe kob, you know, konbe kob lot moun a van bagay la ou bien konbe kob ou kapa van li. So si ou vle, ou etan kou mwen mèm li di ko sa is between $16 to $40 mwen mette pam nan pou $35. Sa ve di mwen gitan mette pam nan nan un fason ki vreman kompetitiv. So sa ve di si yon moun ta vle l, y a cliqué sur listing moyen parce que prix pas nan gitan nan mitan. OK, so condition, so ça veut dire condition, est-ce que son bagay qui neuf lié, est-ce que son bagay ou juste mettez une ou bien deux fois, ou bien est-ce que son bagay qui bon. OK, so good ça veut dire, you know, ou well li pas chire, li pas gen aucun bagay, but you know, li son bagay qui bon. So ma mettez good. So description moi même me compte juste copy, so m'aller là. Juste copy avec paste ça m'écrit dans titre là et puis mettre dans description. OK, then après ça, si vous pas voulez monde qui zanmi ou sur Facebook, ouais ça va vendre, vous capable sélectionner bouton qui dit hide from friends là et puis bouton ça qui marqué boost listing after publishing. Ça veut dire s'ouvre payer Facebook pour faire promotion pour capable faire, but moi même moi pas jamais sélectel. Et puis si tant que vous avez si vous avez liste bagay ça ou bien mettre sur plusieurs groupes bagay, c'est là-bas ou capable sélectionner option qui dit comme ça list in more places. Ça veut dire là cliquer sur lui juste pour bah un exemple. Ça veut dire Facebook a pas moi tout groupe que moi même moi, you know, moi dans yo là bas moi aussi si vous avez m capable mettre produit ça même capable mettre bagaille ça sur tout groupe que moi même moi na yo. But anyway, moi pas fait ça. So mes côtés qui puis un petit genre intéressant. So longtemps l'autre qu'on a vendu sur Facebook Marketplace ou t'es capable, you know, c'est pour te moun nan vinn jwenn nou pour te bay moun nan adresse ou, you know, pour te capable vinn chercher bagaille là, but konnya pa gen bagaille ça encore. OK, so depou selecte option pour faire shipping bay moun nan. So Facebook li même les mon acheté bagay la mon a tout payé pour shipping li même j'ai avec Amazon. Oh maman c'est dans ça ma faisoir me fait mal. Anyway, so même j'ai avec Amazon l'a acheté un bagay yo tout charge pour shipping là même que bagay la dit free shipping il pas free shipping vrai ou still paye pour shipping ou just pas well. But anyway, so ou même si ou pas veut faire un compte ensemble OK avec sou pa vle fè rankont avèk okèn moun, ou kapab mete opsyon ki di shipping only. So shipping only ya sa ve di ou moun achete bagay la epi ou menm ou package li ou voye l nan post office la. Men si ou ta vle, you know, si ou ta vle gen plizye opsyon, kote ou kapab moun nan kapab vin chèche lakay ou bien moun nan kapab vin, you know, ou bien moun nan kapab pay pou shipping, ou kapab mete shipping and local pickup. Local pickup sa ve di moun ki rete nan zon kote ou rete ya, si yo wè bagay la sou Facebook, yo kapab vin chèche lakay ou. But mwen men mwen pa jam selekte opsyon sa ou paske mba vle meet up avèk okèn moun. OK, moi toujours selecter option qui dit shipping only ya. Et puis dernière option qui gagne c'est local pickup. So local pickup ça veut dire tout monde qui dans zone ou capable venir chercher nan men ou. Pour moi même moi pas j'aime selecter option ça yo. Et puis ça qui dit comme ça choose shipping method. OK, so moi même moi toujours selecter option côté Facebook lui même li ban moi yon prepaid shipping label. OK, li ban moi yon prepaid shipping label et puis moi même moi juste printel et puis moi mettel sous package là. OK, ou gen option tout côté ou même ou capable choisir acheter on shipping label ou et pour faire ça ou capable utiliser un compagnie qui rele Pirate Ship. OK, so Pirate Ship ou capable utiliser Pirate Ship juste pour faire ça. But moi même juste pour faire bagay un petit genre easy pour moi pas, you know, moi pas faire tout bagay ça, moi juste utiliser, you know, use a prepaid label from Facebook. Et puis konnya ça va faire. So pour liv bagay la, mwen gen tan konnen ke bagay sa li menm li se at least yon a de liv. OK, so m ap selekte option ki di 1 to 2 pounds. So wè Facebook li menm li gitan kalkile, excuse me, li gitan kalkile konbe kòp moun nan ap peye pou shipping. Sa ve di li chwazi UPS ground. Moun ap peye $8.94 pou voye bagay la ale. OK, but si tan pou et puis
Depuis mon na web bagaille la remel, Facebook a tout bal exactement combien cob, you know, bagaille la coûte. Et puis qu'on y a, so si vous t'avez pour mon voy off bar ou, vous capable choisir combien cob vous t'avez, combien cob vous même ou voulez vendre bagaille là. OK, so combien cob vous voulez vendre li, moi même mettez $30. OK, so ma bay mon na rabais $5. OK, so ou elle dit comme ça, allow offer to help attract buyers. So, ça veut dire l'homme mettez offer on et you know mon plus souvent acheter. But option ça c'est juste option pour mon qui vend pépé ou bien mon qui vend bagaille deuxième main. So si tant que ou son shop ou bon shop sur Facebook Marketplace, option ça c'est pas pour ou lié. Even though like si tant que ou bon shop sur Facebook Marketplace, option ça c'est pas pour ou. This option c'est juste pour mon qui a vend rat deuxième main ou bien qui gon bagaille ou ta vle liquider sur Facebook. OK, so but si tant que ou acheter bagaille ou neuf ou bien son produit que ou même ou créer, option ça c'est pas pour vous, OK? Mettez à fond dans un set price ou bien si m'pa vle, m'ka juste turn the off, moi retirer le off. But si moi même vle pour mon voye off, bon moi mettez $30. OK, so qu'on y a moi marqué save et puis that's it, listing moi créé. Comme on capable là, ça c'est un bagage qui vraiment facile, pas gain en pile you know, pas gain en pile c'est un bagage qui est vraiment simple. Facebook Marketplace vraiment plus simple passé eBay. eBay c'est une autre website qui ont des gens plus challenging. OK, solo avant sur li ont des gens plus challenging. But pour Facebook Marketplace les mêmes sont bagage qui vraiment easy en pile dans nous fait en pile temps you know en pile temps sur Facebook Marketplace. So si vous t'avez commencé avant, si vous t'avez connait qui gens expérience là est pour vendre sur Facebook Marketplace, ça c'est comme ça c'est façon capable commencer. Et puis là où commencer sentir ou you know ou vin ou comprendre que j'en vend bagaille sur internet là et then ou capable move on to you know now on l'autre site. But Facebook Marketplace li vraiment facile pour tout le monde. C'est tant qu'on va vouloir faire option côté ou va shipping bagaille monde, si vous préférez faire un meetup pour capable faire ça. Et puis Facebook Marketplace tout ou capable, c'est tant qu'on bon garage sale que va faire ou capable mettre le sur Facebook Marketplace côté monde qui sur Facebook app ouais que ou a gagné un garage sale et puis a venu pour venir garder exactement qui ça vient pour vendre. So li vraiment intéressant guys et ou capable jouer en pile l'autre bagaille en pile belle en pile l'autre contact tout sur Facebook Marketplace. Okay, so anyway, so moi souhaite que ou te enjoy ti bout vidéo ça. Si ou te enjoy vidéo, pas oublier partager, pas oublier aimer et pas oublier abonner tout ensemble avec channel là. Merci en pile pour des que ou te gardé et m'a pour ou dans l'autre vidéo. Bye.